Sarah Ferguson soupçonnée de vouloir balancer sur la famille royale, elle met les choses au clair. Sarah Ferguson ne servira plus de punching ball à la presse britannique. Ou alors, elle rendra coup pour coup. Ras le chapeau de cette étiquette de scandaleuse qui lui colle au front, depuis qu'elle s'est fait surprendre avec un amant, John Briand, au bord d'une piscine tropézienne, il y a plus de 25 ans. Les clichés licencieux lui avaient valu son expulsion de la famille royale d'Angleterre et son divorce d'avec le prince André, en 1996. Les années qui suivirent une lente descente aux enfers, marquée par des bouquins expiatoires, des reality shows pathétiques et l'interdiction de prendre part aux grandes célébrations des Windsor. De retour en grâce depuis le mariage de sa fille Eugénie d'York et plus complice que jamais avec André, la flamboyante Fergie veille désormais à sa réputation et contre-attaque. L'édition anglaise du magazine Closé vient d'en faire les frais. Alors qu'il assurait que la duchesse, éternel panier percé, réfléchissait à un DEL de 17 millions d'euros pour écrire un brûlot sur la firme, en août dernier, le tabloïd a été contraint de publier un démenti sur son site. Pas peu fier d'avoir obtenu réparation, l'ex-belle-fille préférée de Sa Majesté a reposté les excuses du Closé Hux sur son compte Instagram.